Non, le stream et la VOD ont bien démarré, donc je vous fais l'introduction de ce streaming, bien évidemment. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur ce nouveau streaming. C'est bien évidemment Lival, bienvenue sur Lival TV, bienvenue sur la Lival d'aventure. Nous sommes en multi parce que c'est comme ça et c'est moi qui décide. Donc, du coup. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau depuis la dernière fois? Alors hier j'ai joué, hein, mais je n'ai pas stream, donc je vais un peu vous présenter les nouveautés qu'il y a eu de notables, vraiment notables. Et voilà, sachez que ça va être un stream relativement court, de toute façon j'aurai très probablement des crash co. Donc voilà, déjà première chose à noter, mon stuff est quasiment fini, par exemple il manque juste du protection. Il me manque du solidité 3 sur mes jambières et sur mon plastron. Je suis full Netherite. Mes 4 pièces d'armure, ma pioche et mon épée le sont. Après, mon hache et ma pelle, je pourrais les mettre. Je pourrais mettre du mending, mais pour l'instant, on s'en fout quoi. Je les utilise pas énormément. Donc voilà, au pire, si besoin, je leur mettrai. Je sais même pas si t'as plus de Dura. Ouais. Ah si, t'as plus de dura quand même avec les Netherite. Ouais, donc pourquoi pas. Autre chose à noter, donc du coup, à part mon stuff qui est vraiment fini, on va dire. Bon, la farm à bambou, je crois que c'est pas nouveau. J'ai un peu baissé la musique d'ailleurs. Ici, il y a beaucoup de canne à sucre qui a été posée par Maxence, donc celui qui est sur cette île. Puisque il veut... Il a beaucoup farmé des émeraudes, pardon. Voilà, petit intérieur avec un villageois qui a été utilisé pour que je fasse le succès zombiologue. Donc du coup, c'est bon, j'ai fini tous les succès de Minecraft normal, mais après, voilà, il reste tout cela. Et ça, c'est l'un de mes objectifs. Finir peut-être à 100% les succès, ça pourrait être bien. Donc voilà. Là-bas, on a des ruches, mais je crois pas que j'ai beaucoup d'abeilles. Donc voilà. Mister H5 a fait un chemin ici. Donc moi ici j'ai mis mes petits blocs de fer parce que je suis riche. Et j'aime vraiment beaucoup ma base, elle est vraiment sympa. Mais avec le chemin c'est vraiment très cool. Voilà, Mister H5 qui a fait ce petit chemin hier. Soir, donc vraiment très tard pendant que moi je faisais je sais plus quoi. Ah oui, je préparais bah, ce que j'allais faire aujourd'hui. Et je sais plus ce que je voulais dire. Ouais, donc du coup, les chemins qui ont été faits. Donc voilà, c'est plutôt sympa. Tac. Une ferme à cactus a été faite. Alors, je ne sais pas si elle produit beaucoup, mais ce modèle-là. Enfin, de toute façon, ce modèle-là, c'est le meilleur et c'est le seul. Mais le truc. Bon, ça va, 3 stacks, mais après 3 stacks en combien de temps? Parce qu'il n'y a que un étage en fait, c'est ça le problème. Donc voilà. Là-bas, on a nos vaches, une ferme à kelp. On va regarder un peu la production. Pareil, c'est la ferme d'Oxys, ça. Oh, ça va. Ça va, ça produit un peu. Mais après, je sais pas si le kelp cuit. Ah ouais, non, il cuit plus. Que je crois qu'il faut qu'il cuit par lui-même parce que le kelp, tu peux le cuire. Enfin, il peut servir de combustible et de combusté. Ah, ah ouais, par exemple, le pigmen qui vient de spawn, ça c'est un truc. J'aimerais que ça n'arrive pas à ma base. Faudra que je fasse un. Je pense que je ferai un système pour empêcher que les pigmen spawn. Mais je sais pas si. Ah oui, mais il y en a deux en plus qu'on spawnait. Attends, je sais pas. Je vais regarder s'il y a moyen. Anti-spawn pigmen overworld prévent zombies, donc empêcher que les zombies spawnent.
Ouais. Bah, sinon, ce que je peux faire, c'est une espèce de jump. Ce que je me dis, genre, je peux faire une espèce de jump pour atteindre le portail. Enfin, le portail que je ferai à ma base. Et de l'autre côté du portail, juste, je mettrai un truc pour tuer les pigments, genre, bah, de la poudreuse, par exemple, pour que ça serve. Avec des trappes d'or sur le côté. En mode, on va dire, là, mon portail, il est ancré dans le mur avec une petite déco. Là, pour l'atteindre, tu dois, hop, faire un petit jump. Et voilà, hein, rien de bien compliqué. Et bah, si tu rates le jump, bon, à la limite, tu peux mettre une échelle ou un petit truc. Et de ce côté-là, je mettrais du coup des trappes d'or et en dessous, genre, je pourrais mettre de la poudreuse pour buter les pigmen qui y vont. Et puis voilà, je pense que ça peut être une solution. Et je pourrais faire un petit chemin aussi vers le portail, ça pourrait être sympa. Mais bon, l'usine à or, c'est un truc que je voudrais faire, mais pas aujourd'hui. Alors ici, il y a quoi qui a été ajouté? Ah, les perroquets, je savais pas qu'il en avait mis. Donc voilà les perroquets, pourquoi? Normalement, ils sont censés bouger avec la musique. Bon, bref. Donc voilà la petite salle qui a été aménagée, qui ne l'était pas avant. C'est pour ça que je le montre. Ici. Ici, qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Là-bas. Il y a un four maintenant et la table d'enchant a été mise ici. C'est très sympa. Dans l'End, on a une farm à Enderman. Donc, vu que c'est pas à côté, je vais pas y aller. Mais voilà, c'est juste une plateforme où t'as un Endermite au milieu. Et les Endermen veulent niquer cet Endermite. Et les Endermen, après, ils tombent pour se faire tuer en un seul coup. À coup d'épée et on a une table d'enchant à côté et ça permet de faire une farm à XP et on en a enfin une du coup, on a enfin une farm à XP. Donc voilà. Fin de l'anecdote. Et après, de nouveau aussi, il y a quoi? Là-bas, on voit qu'il y a du bois, il y a une espèce de forteresse un peu dans le brouillard et ça n'a pas du tout été... Enfin, il n'y a rien de nouveau dedans. Et là-bas... Là que je suis en train de pointer, il y a des tortues. Donc ça pourrait être intéressant d'essayer d'en récupérer, bien évidemment. De nouveau, il y a quoi là? Il y a plein de poulets. Et j'utilise des blocs de fer pour la déco de ma base également. Ou du coup... Voilà, il y a des petites nouveautés, mais rien de bien grand. J'ai mis des panneaux avec ma to-do list et tout. J'ai essayé d'aménager un peu le hall à PNJ. En mettant bien évidemment des trappes d'or quand c'est moi qui ai mis les PNJ. Par exemple, ceux-là, c'est pas moi qui les ai mis. Donc ils n'ont pas de trappe d'or. Ces PNJ-là, ils servent à quoi? À échanger 4 lingots de fer pour une émeraude, ce qui est plutôt pratique. Mais voilà, je suis parti sur ce design un peu en mode mine. Et vu que le bois est corsé, j'aime bien. Et que là, bah, j'aime bien les bûches normales. Je suis parti sur ça. Évidemment, on pose des blocs de fer dès qu'on en a l'occasion. Et ici, du coup, bah, ce que j'ai fait, c'est que ce que je vais faire, ce que je continuerai en off, du coup, je pense. C'est poser que des dalles lisses. Que des dalles lisses. C'est même pas des dalles. En vrai, je pourrais en faire des. Je pourrais poser des dalles en vrai. Genre. Ah oui, mais non, du coup. Genre, je pose des dalles partout. Sauf pour là. Pour poser les lanternes. Où je poserai des vrais blocs. Et je mettrai du coup la lanterne en dessous comme ça. Mais tout autour, ce serait que des dalles. Je pourrais faire ça en vrai. Et je pense que c'est ce que je ferais parce que je trouve que c'est trop plat. Les blocs de fer ne ressortent pas assez. Donc voilà, j'ai mis des blocs de fer partout autour de mes farms. Ici, je mettrai des feux de camp et ici, j'ai mis des dalles parce qu'il y aura des courants d'eau et que ça sera pas parfait. Ici aussi, j'ai remplacé par du fer. Ici aussi, j'en ai mis. Après, ouais, j'en ai pas mis plus. Là, évidemment, vu que c'est un contour, j'ai mis comme ça. Et là, ouais, par exemple, je pourrais mettre des dalles, mais je pense que j'en mettrais juste là.
Si je mets de la roche lisse, ouais, j'en mets que ici, du coup. Donc ici, on mettrait des dalles. Bah, attends, on va regarder dès maintenant comment ça rend. Ouais, ça rend mieux, hein. Ah ouais, je mettrais des dalles, hein. Je mettrais carrément des dalles, hein. Donc bref, il faudra que je répète tout pour reposer. Et du coup, dans ma to-do list, qu'est-ce que j'ai mis? Évidemment, le truc à PNJ aussi, là, pareil, le bois. Ici, j'ai aménagé, mais c'est tout, hein. J'ai rien fait de plus. J'ai juste fait le système de récupération, on a nos feux de camp ici. Et du coup, bah, l'idée, c'est de faire la ferme à creeper juste au-dessus. On va utiliser le système... Bref, on va poser des trappes... On va faire genre 2 de hauteur pour expliquer comment ça va se passer. Bon, on va faire comme ça. Là, j'utilise ma touchée de soie parce qu'elle, elle est fortune. Donc voilà, l'idée, c'est genre les creepers... là, au-dessus, on va partir sur deux blocs, sur une hauteur de 2. Mais à cause de ça, du coup, les Enderman ne peuvent plus spawn, mais on peut avoir des creepers, des araignées, des zombies et des squelettes. Pour empêcher que les zombies et des squelettes spawn, on va juste mettre une trappe d'or à chaque fois au-dessus de nous. Donc moi, je devrais me déplacer seulement en sneak, normalement. Il me semble... Je sais pas si... Ouais, je sais pas, bref... mais du coup, voilà, les zombies et les squelettes seront trop grands, ils ne pourront plus spawner, donc il ne restera plus que les araignées et les creepers. Et tout simplement, pour empêcher que les araignées spawn, on va poser des tapis. Après, je sais plus comment faut les poser, mais bref, on posera des tapis qui font que les araignées ne pourront plus spawner. Et du coup, il y a plusieurs, évidemment, modèles. Il y a des modèles qui utilisent de l'eau. Le problème des modèles qui utilisent de l'eau, c'est que les araignées... peuvent spawner si tu mets des tapis. Si tu mets pas, enfin, si tu mets des tapis, l'eau pète les tapis, donc les araignées peuvent spawner. Et même quand l'eau est là, les mobs ne peuvent pas spawn, donc tu as des pertes. Donc vraiment le plus efficace, et de toute façon on a des chats, ça sera d'utiliser le modèle avec les tapis et les chats, et c'est le modèle les plus efficaces. Après, les nombres d'étages, on verra. On a besoin de poudre de creeper, mais franchement, je pense que je ferai déjà genre allez, 2 étages minimum pour voir si ça marche bien et après on verra bien. Et puis voilà. Donc après, qu'est-ce que j'ai mis dans ma to-do list? Je vais vous montrer vite fait. Donc faire une farm à or, bien évidemment, ça c'est quelque chose qu'on fera dans la semaine. Rendre beau le hall PNJ qui est, c'est déjà fait, mais vu que Mister a un peu augmenté, il va falloir rendre ça un peu plus joli. Même si je pense que, honnêtement, je pense qu'on va garder un seul PNJ pour les lingots de fer. Les autres, je vais les buter parce que ça prend de la place pour rien. Voilà. Après, de faire une deuxième farm... Une deuxième farm, farmer à blé, par contre, bon, je sais pas, c'est bizarrement dit. Est-ce qu'on... Ouais, c'est chiant qu'on puisse pas remplacer les panneaux, genre, que tu puisses plus les éditer, ça c'est un truc chiant. Donc voilà, oui, je dois faire une deuxième farm pour le blé, mais du coup, je sais pas si je le mets en dessus. Je pense que le mieux, c'est vraiment que je fasse un étage, mais du coup, on le verra pas. Et moi, je veux qu'on voit les farms, au moins la récolte. Genre là, tu vois la récolte en direct. Là, tu vois la récolte en direct. Tu la vois en direct. Bon, là, on s'en fout. Là, tu la verras en direct. Mais voilà, le truc, c'est que je sais pas si... Est-ce que je la... Parce que en vrai, attends. Ici, ça se passe comment? Parce que en vrai, là, je me dis, mais je pourrais... Ah ouais, non, je peux pas le mettre là. Parce que en vrai, le mieux, je pense, c'est que je le fasse genre... je pense que le mieux, c'est que je le fasse au-dessus. Mais je sais pas si... Ah ouais, ça risque d'être compliqué au-dessus. Parce qu'en fait, le problème, c'est que si c'est en dessous, la récolte, elle va me saouler, quoi. Enfin, si je pouvais avoir genre le coffre à patates là et le coffre à blé là, genre ça m'arrangerait, tu vois.
Ouais, à la limite, j'inverserai. Comme ça, ici, au moins, la récolte du blé, je pourrais la faire genre derrière les coffres là et après avec des entonnoirs qui passent en dessous des dalles. Et ici, je ferai les patates. Ouais, je pense j'essaierai de le mettre au-dessus et j'essaierai de creuser la montagne bien. Je pense que je ferai ça. On le fera au-dessus et on le cachera très probablement du coup. Mais ouais, je pense pas que ce soit quelque chose que je ferai en off, mais c'est quelque chose que je ferai pas tout de suite. Après, du coup, farm à creeper, mais ici, parce qu'on a déjà une farm, je vais vous la montrer. D'ailleurs, je vais récupérer un peu de poudre à canon, parce que j'en ai plus beaucoup. D'ailleurs, je vais montrer le tunnel au passage, hein. Donc voilà, ici on a un tunnel maintenant. Énorme. Donc voilà, beau petit tunnel. Toujours plus vite. Donc voilà, petit tunnel avec de la glace compactée. Donc qui mène à la tour à mobs. D'ailleurs, ici on a une autre qui est faite en quartz, mais elle fonctionne pas. Donc voilà, c'est ça, c'est la tour map que Mister H5 a fait. Et du coup, on a la récolte ici. Ah, ils l'ont automatisé? Bon, à moitié automatisé, hein, pour le coup. J'ai pas l'impression qu'elle soit active. Enfin bref, elle marche pas hyper bien. Donc voilà, mais si on a besoin de poudre d'os, on peut en prendre ici. Donc voilà pour les nouveautés. Après, il y a, comme je l'avais dit, l'usine à Enderman, mais vu qu'elle est un peu loin, j'ai pas envie d'y aller. Hop, et il y a, ouais, il y a ce hall là qui est joli. Il y a juste le dessus qui a pas été fait, mais bon. On va pas critiquer. Ah, c'est un autorifile. Okay. Donc voilà. Est-ce qu'il y a de nouveau? Et du coup, je reprends les cours à... Je vais revérifier. Je reprends les cours à 15h. Donc, en heure française, je reprends les cours à 16h. Mais voilà, je vais parler en heure irlandaise parce que sinon ça va me perturber. Donc moi actuellement il est 12h30. J'irai manger, je pense, vers 14h10, un truc comme ça. Et je ferai ma vaisselle en rentrant des cours, je pense, l'après-midi. Donc je vais stream à peu près 1h30 encore là. Je sais pas si je peux partir sur une session de 2 heures, mais bon. On va regarder un peu d'ailleurs les. Et ouais, on a pas mal de patates, c'est bien. Le blé. Ah, la canne, pardon. Elle a été récupérée. Oh, incroyable. Et bienvenue à Dark Momo. Bienvenue à toi, bienvenue sur ce petit stream. Hop, yo, bienvenue. J'espère que ça va bien. Et le fer, oh là 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 là, mais le fer, ça produit. C'est incroyable, cette usine à fer. Elle produit du tonnerre. Tiens, on va récupérer tout d'ailleurs, on va crafter des blocs parce que moi j'utilise le fer en bloc de construction. Hop, hop. Je sais jamais où il est le fer ici. Okay. Wow, bonsoir à toi Sinbad. Bienvenue sur ce nouveau streaming. Tu as vu ma belle usine à fer? Elle produit, hein. C'est inouï. C'est tout simplement inouï. En vrai, on va. Hop. On va faire ça. Voilà. Et on va poser le reste des blocs de fer dans mon coffre. Ça, j'en ai pas beaucoup des blocs. Ça va, bah ça va très bien, merci. Mais la vraie question, est-ce que toi, ça va? Bien évidemment. Bref, qu'est-ce que je voulais dire? Donc oui, aussi. Donc là, tout à l'heure, j'en étais à là.
Donc Pharma Creeper qu'on va faire maintenant, peut-être pas que je vais la finir là, mais au pire je la finis ce soir. Après un zoo perso, après on a l'intention de faire un vrai zoo ici global pour tout le monde, bien stylé, mais voilà j'ai l'intention de faire quand même un zoo perso avec des petites zones par animaux. Est-ce que je peux rejoindre? Non. Tu es le deuxième à me demander. Mais... Parce que non, c'est un serveur multi, mais qui reste privé, quoi. Malheureusement. C'est un serveur entre poteaux. Donc voilà, faire un petit zoo perso avec des petites zones par animaux. Même le roi ne peut pas venir. Bah, le problème, c'est qu'on est tellement avancé que là, vraiment, il n'y a aucun intérêt, quoi. Moi, être triste. Parce que là, je te dirais, parce que tout à l'heure, j'étais en mode, tiens, en vrai, Bastien, j'aurais pu lui proposer de venir. Mais le problème, c'est que on est tellement avancé que je vois plus l'intérêt, là. Genre, on a déjà. Enfin, à la limite, si t'es un gros builder et tout, pourquoi pas, mais. C'est quoi ton pseudo? C'est Lival. Comme ça. C'est Lival avec un E parce que Lival sans E c'était déjà pris. Dans Minecraft. Parce que le vrai Lival il joue plus à Minecraft et il s'appelle toujours Lival. C'est n'importe quoi. Pourquoi tu veux me hacker? Bref. Ah oui. Ça c'est pour l'usine à or parce qu'on percera le... On percera le toit du Nether. Et après, si je peux faire une flying machine à canne à sucre, je le ferai, mais il nous faut des. Il nous faut des slime blocks. Enfin, je peux utiliser des blocs de miel, et c'est pour ça que j'ai mis faire une ferme à abeilles. Et il nous faut surtout des pistons collants si je veux faire ça. Mais après, la machine à canne, je pense que c'est hyper OZEF. On n'en aura pas. Si, on en aura besoin. Je dis de la merde. On en aura totalement besoin. Pour faire des fusées, même si voilà, on a déjà cette grande réserve de canne à sucre. Mais ouais. Surtout les creepers, le problème en vrai. Donc du coup, bah, ce qu'on va faire maintenant. Oh, plein de bits. Bonsoir DJ. Bienvenue à toi. Eh, on a bien avancé. Regarde, j'ai fait mon magnifique stuff en netherite. On a enchanté un peu tous les trucs qu'il fallait. Petite déco du hall à PNJ. Voilà, bon, sauf là parce que c'est pas moi qui l'ai ajouté, mais voilà, ça c'est moi qui l'ai fait et c'est mes PNJ. Là, juste ça, je vais mettre des dalles parce que c'est pas beau. Et évidemment, on est riche, hein, on a plein de blocs de fer. Voilà, ici ça fonctionne du feu de Dieu. Bon, après là, je. Là, il y avait tout ça de rempli, mais j'ai fait des blocs. Voilà, c'est joli. Moi, j'aime bien. Petite déco fait par Mister H5 des chemins. Le Boskin. Et oui, parce qu'on est sur un serveur. Parce qu'il y a quelqu'un qui n'arrive pas à se connecter à son compte principal. Et du coup, bah, on est sur un serveur crack. Et c'est chiant, parce que j'aimerais bien avoir mon. J'aimerais bien avoir mon magnifique skin, bien évidemment, que j'ai créé de toutes pièces. Voilà, mon beau skin. L'un de mes skins. Hein. J'aurais bien aimé avoir mon skin. Ça aurait été cool. D'ailleurs, un truc que je pourrais faire, histoire d'avoir quand même une trace de mon skin, c'est mettre, qui pour rappel, horrible. Ah bon? Ah bon? D'accord. Ça pourrait être sympa en vrai de mettre ma tête en relief dessus, en mode c'est vraiment là, c'est Libal, c'est ici sa maison. En plus, je crois une tête c'est 8 par 8 en... Donc en vrai, le 8 par 8 rentre totalement. Tiens, bah je vais ajouter ça dans ma to-do list. D'ailleurs, si besoin, hein, j'ai du quartz. Après, je sais plus à quoi ils servent ces coffres. Faudrait que je fasse une salle des coffres. D'ailleurs, ici, le portail. Donc, ma salle des coffres, je la ferai là. Et le portail du Nether, je le ferai à peu près ici, du coup. Et là-bas, du coup, faudra que je creuse et que je ferai à la TNT pour faire ma zone de petits zoos. Et du coup, on mettrait des perroquets, des chats, des chiens, des pandas, on mettrait un max. L'entrée de ta maison, ça devait être ça, je t'envoie sur Discord. Hein. Ah! Bah moi, j'aime bien mon entrée déjà.
Non, franchement, je suis content. Et ça va, c'est une entrée assez cool en vrai, hein. Avec le petit chemin maintenant, ça rend bien. Bon, c'est juste ici, c'est un peu moche parce que c'est moi qui l'ai fait, ça se voit directement. Mais ouais, j'aime bien la petite déco que j'ai mise, mais après, il faudrait qu'elle soit plus importante. Mais moi, j'aime bien ce que j'ai fait. Ouais, c'est juste dans le mur à la limite. Ouais, en vrai, je peux laisser. Hein. Et peut-être qu'il faudrait que je fasse des trucs dans les murs. Bon, là, pour le coup, ça sert à rien, mais genre là, sur les côtés et tout, faudrait que j'ajoute des choses. Mets de la bonne mille sur ton chemin. Sur ce chemin-là. Parce que ici. Merde. Parce que ici, à la limite, ok, mais. Bon, de toute façon, c'est pas important, mec. C'est un putain de chemin qui fait 5 blocs. Je m'en fous. J'en ai pas besoin. À la limite, là, faudrait peut-être. Au pire, je demanderai à Mister, ouais, tu peux me faire un chemin pour ma zone. Ça pourrait être cool. Mais je sais pas trop comment je pourrais faire. Faudrait que je trouve des chèvres. Faudra trouver des animaux. Mais bon, c'est pas encore le. C'est pas encore l'objectif. Attends, je vais récupérer des petits sticks. Je vais faire des pancartes. On va commencer un peu l'usine à creeper parce que le truc c'est que j'ai pas tout mon temps là pour maintenant. Au pire, je la terminerai cet après-midi, mais quand même. Bon allez, on va la commencer. On va monter comme ça, vas-y, on va pas s'embêter. Et bah, bon courage! Moi je vais sur le jeu de malheur. Et bah, très bien. Et bien, bon courage à toi aussi, dans ton malheur. Donc, comment on va se démerder? Je pense qu'on va faire déjà. C'est que là, on va faire des courants d'eau, mais je sais pas du tout un courant d'eau, c'est de combien. Là, peut-être qu'on est bon. Là, on est bon. Donc, c'est combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'est bien 8. Donc, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, ce qu'on va faire là, du coup, c'est les courants d'eau qui vont récupérer les creepers. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc là, ce qu'on fera du coup, c'est qu'on mettra des courants d'eau pour bien que ça se fasse. Je veux juste vérifier un truc, c'est. Est-ce qu'on entend l'eau depuis ici? Ah ouais, ça me saoule un peu. J'ai pas envie qu'on l'entende. Ah oui, mais comment je remonte? Bon. Bon, évidemment la classico déconnexion. Bref, alors, tac. Ma connexion est hyper instable quand je stream. Donc non, ouais, on va péter. On va monter encore un peu. Parce que j'ai pas envie qu'on entende l'eau en fait. Enfin, si on l'entend, c'est pas grave, mais je veux pas qu'on l'entende de trop. J'ai quand même regardé un petit coup l'usine à creeper, si je retrouve, parce que j'ai plein de liens. Non, ça c'est casser la bedrock, ça c'est les farms, et ça c'est les creepers. Ah non, en fait, la farm, elle est même différente de ce que je pensais. Donc non, mais ce qu'on va faire, en fait, c'est qu'on mettra des courants d'eau un peu partout. Genre, on va faire un carré avec des courants d'eau qui vont ramener les creepers au milieu. Mais du coup, je sais pas trop comment je dois...
Je dois gérer. On va regarder en solo. Je vais regarder en solo pour voir comment je dois faire mon carré au niveau des distances, parce que j'en ai aucune idée. Ok. Alors voilà, si je veux mon carré. Parce que sinon je peux mettre des panneaux et puis voilà quoi. Bon, on va regarder déjà dans un premier temps. Comme ça. Enfin non, même on va faire ça. Parce que j'ai juste besoin de faire la moitié, hein. J'ai pas besoin de tout faire. Donc là, par exemple, si je fais tac, tac, tac. Est-ce que... un peu. On va agrandir de 2. Parce que là, on est hyper loin d'y arriver. Là. Ouais. Parce que là, du coup... Oh, faut que je casse. Ah oui, voilà. Là, ici, on a des soucis. Ouais. Ouais, faut que je mette 20 000 panneaux, je pense. Mais attends, en vrai, là, on est bon? Mais il y a une source infinie ici aussi. Parce que là, tu vois, on est bien, genre, tous les courants mènent bien ici. Mais je sais pas pourquoi, genre, précisément là, il y a une source d'eau infinie. Mais c'est parce qu'il y a des sources là. Attends, je vais tout couper.
Et là, on est... Ah putain, on est quasiment bon. Mais je pense pas que je puisse être parfait. Parce que après... Parce que là, au moins, tu vois, on est bien, genre, tous les courants mènent ici. Mais c'est hyper chiant comme modèle, quoi. Je pense que je vais pas m'embêter, vraiment. Je vais juste poser l'eau et je mettrai des panneaux. Ouais, genre... Ce que je ferais, du coup, c'est juste je mettrais des panneaux là, puis là, puis là. Ouais, je pense que je vais juste faire ça. Et l'eau coulera comme elle veut couler. Et puis voilà. Voilà, que genre vraiment au best, tu vois, ça fera ça, quoi. Voilà, l'idée, c'est ça. C'est juste, on a nos courants d'eau qui font ça et les panneaux font ça. Il y a des moments où je sais pas pourquoi je peux pas me connecter au serveur. On stuff. Oula! Ah! Ok. Donc. J'entends une source d'eau, je les ai pas toutes coupées. Il y a déjà une source d'eau ici. Il y a déjà une source d'eau. Ah ouais, mais du coup, j'en ai rien à foutre. Ah mais du coup en fait j'en ai rien à foutre de l'eau. Et bah voilà, on va faire n'importe quoi. Je vais quand même revoir vite fait le système. Est-ce qu'il y a besoin d'être... Est-ce qu'il y a besoin d'être proche ou pas? En vrai les courants d'eau... Ouais vas-y on les fait là. Hein. Mais attends, j'ai juste pas envie qu'on puisse voir les panneaux en fait. Parce que là on peut les voir d'ici. Moi, je veux pas qu'on les voie. Donc, je vais encore monter. Hein. Je pense que je vais monter de deux blocs. Du coup, les panneaux, je les mettrai là. Est-ce qu'on les voit? Moi, c'est ce que je veux. Je veux pas qu'on voie les panneaux, genre. Ouais, on peut les voir en F5, mais ça, c'est pas grave. Je sais même pas si je peux baisser d'un cran, mais en vrai, c'est pas grave. Bah, en vrai, je peux le laisser. Ok. Attends, je vais déjà creuser comme ça pour avoir une idée. Parce que ouais, le problème maintenant, c'est comment je pose l'eau. Après aussi également c'est comment je pose les... Est-ce qu'il faut faire une plateforme? Parce que après ce qui peut être intéressant de voir c'est la distance à laquelle un creeper a peur d'un chat. Je pense que ça je peux le voir sur internet. Creeper distance 4. Ça doit être un truc comme 8 blocs hein, comme je pense. Eh ben, j'ai même pas la solution.
Alors, les creepers et les fantômes évitent les chats, même quand ils poursuivent un joueur. Alors, et ils tiennent une distance de 6 à 16 blocs de n'importe quel chat. Donc, faut faire des plateformes. Donc, la plateforme, en gros, faut la faire de 6 blocs. Et du coup, vu que le chat, je le mettrais vraiment en plein milieu. Attends, est-ce que dans la farm, le chat, il est protégé, genre? Ouais, le chat, il est protégé. Parce que c'est pas une farm visible, donc qu'elle soit pas parfaite, c'est pas grave. Je sais pas si là j'ai un intérêt à le monter en hauteur. Au pire, on peut mettre des. On pourra mettre des petites lanternes. Je pense qu'on va même en foutre une pour pas que ça spawn. Ok. Donc du coup on partira. Parce que je pense avant de faire les courants d'eau, je dois d'abord faire la plateforme. Je vais prendre des échelles parce que normalement j'en ai pas mal. Et j'en ai clairement pas besoin d'autant pour la faire mort. Enfin du moins pour percer le toit dans un premier temps. Voilà, donc la plateforme on la commencerait ici. Il faut juste que je voie à peu près où est le milieu pour le set. Ah oui, du coup. Ok. Donc du coup, ouais, on s'en fout un peu du farm. Genre, à la limite, ce qu'on peut faire, c'est ce bloc. Ça me perturbe qu'il y ait la délimitation. Ça doit être le seul bloc qui est comme ça. Où les dalles sont différenciables du bloc plein. Donc ce bloc, c'est le bloc où on foutrait un chat. Et du coup, bah, ça serait le cas pour chaque étage. Et donc, depuis ce bloc, faut que j'aie à chaque fois 6. Et du coup, j'imagine la distance. Attends, est-ce qu'on peut voir? Là, dans la farm, il y a combien? Il y a un. Attends, t'as un bloc, deux blocs. 3, 4. Ah oui, mais que 4 blocs de différence par rapport au chat. Ah oui, mais 4 blocs. Enfin, 4 blocs de blocs où ils peuvent spawn les creepers. Mais pour bien voir les fameux 6 blocs, c'est bon parce que le chat, il est enfermé par des. Il est dans un minecart enfermé par des trapdoors. Donc là, déjà, tu grattes un bloc. Et les trapdoors que les creepers considèrent comme des blocs pour avancer et dans lesquels ils vont tomber d'ailleurs, ce sont bien des. Enfin, ça correspond à 6 blocs. Enfin bref, on ne comprend pas, c'est normal. Ici, on met notre chat. Là, autour, on mettrait nos trappes d'or. Et après, du coup, il faut que je creuse 4 blocs. Ici, on aurait une trappe d'or. Et en dessous, je vais la mettre comme ça pour qu'on comprenne. Et en dessous, du coup, on aurait le vide. Et du coup, on a bien le chat. 1, 2, 3, 4, 5, 6 blocs. Mais du coup, les blocs réels où ça pourra spawner, ça sera cela. Donc en vrai, autant faire les trappes d'or maintenant, comme ça c'est fait. À moins que j'en ai plein ici, mais non. Je sais pas, mais en plus, j'y pense, mais j'ai besoin de trappes d'or pour l'usine à. Pour la gold farm, enfin pour creuser le toit. Ouais. Il me faut des trapdoors. Bah, je vais en recrafter pas mal de toute façon, voilà, avec tout ça. Parce que si je fais plusieurs étages. Bon,
En vrai, ouais, en vrai, 12, c'est bien. Et de toute façon, des trapdoors, il m'en faudra des milliards, donc. Il m'en faudra plein des trapdoors. Ah, c'est une ferme qui coûte cher en bois, par contre. Parce que là, on aura notre trapdoor pour notre chat, du coup. Donc voilà, on mettra les trapdoors là. Bah quoi, elle a encore crash, sérieux? Ah non, juste ça bug. Est-ce que ça s'est restabilisé? J'ai l'impression. Mako est instable de ouf, hein, genre vraiment là. Depuis que je stream du Minecraft, elle est assez instable, Mako. Donc là, on aurait ça. Notre chat, on le foutrait ici. Et après, ouais, faut creuser 4 blocs à chaque fois, quoi. Et là, on peut déjà creuser en dessous. Ouais, du coup, c'est pas des grandes plateformes. Hein. D'ailleurs, faudrait même faire plus. Faut creuser un cran de plus. Parce qu'on va foutre des trapdoors là et là. Comme ça, le creeper, bah, il pourra avancer tout droit là. Et puis voilà. Donc, ouais, faut même creuser un cran de plus. Donc là, on a nos 4 blocs et là. Ouais, du coup, les plateformes, elles me paraissent toutes petites, hein. Mais je crois que c'est. Enfin, c'est normal, quoi. Elles paraissent petites, mais c'est vraiment ça. Ouais, du coup, en trapdoor, faudra vite fait voir en l'étage combien nous coûte, mais ça va nous coûter pas mal. Après, ça va, c'est une farm rapide à faire, mais il faut le stock. Et ça va parce que j'ai pris beaucoup de bois quand même. Normalement, je devrais en avoir assez pour un peu tout ce que je veux. Donc après c'est juste cette extrémité là qu'on peut pas toucher. Parce que du coup là, j'en fous des trapdoors là, là. Après ouais, on peut en foutre là, mais ça sert à rien de. Ce bloc ne sert à rien. Donc ça va, en vrai là, les plateformes sont pas trop petites. D'ailleurs, en vrai, là, de ce que je vois, on peut même creuser ici. On verra si ça marche pas trop. Au pire, on rapetissera ce qu'il faut rapetissir. C'est étonnant parce que ma connexion est stable et pourtant j'ai des lags sur le serveur. Je fais de la merde là, par contre. D'ailleurs, j'ai retiré, j'ai pas mettre ça. Voilà, comme ça c'est ce qu'on touche pas. Donc là, voilà, on va laisser ça à titre d'exemple. Je reçus un MP.
Donc maintenant tout à l'heure sont en présentiel ou distanciel? Pourquoi ça changerait? Ouais, pour moi, il y a cours en présentiel, quoi. Parce que s'il y a cours à distance, bon, après, s'il y a eu un changement, je suis pas au courant, alors. Donc là, on est sur 1, 2, 3, 4. Donc en gros, chaque étage, ce serait ça. Et on va en faire qu'un. On va en faire qu'un là. Après, on fera le système d'eau, on ramènera un chat et on voit si ça fonctionne. C'est une usine rapide à faire et ça m'arrange parce que j'ai pas tout mon temps. J'ai pas tout mon temps, genre là, à la limite, le mieux c'est que je m'arrête genre dans une heure. Dans une heure, si j'ai fini le stream, tu vois, c'est parfait. Donc là, en vrai, c'est pas hyper intéressant, mais voilà, je tenais à le faire en stream parce que je voulais le faire hier soir, mais je me suis dit, vas-y, non. Je vais juste préparer le truc, mais l'usine en elle-même, je la ferai en stream. Bon, après, la terre... D'ailleurs, la terre qui était dans la base, je l'ai retirée. Hein. Et si on a le temps, on posera les dalles pour voir un peu comment ça rend. Et du coup, je restreamerai très très probablement ce soir. Je ferai du Genshin. Bah, de toute façon, après, en rentrant des cours, vu que je vais au sport ce soir, je pense. Ah, donc pas sûr que je stream en fait ce soir. Mais si je stream, je ferai pas des avancées de malade, je pense que je serai un peu crevé de toute façon. Et je risque de stream tard parce que je rentre du sport, je me douche, je mange. Ah, et donc ça va être compliqué. Peut-être pas de stream ce soir. Moi, je ferai du Genshin en rentrant des cours à genre à 16h15 jusqu'à 18h, donc je suis large. Faudra que je stream un peu hein, parce que du coup, j'ai pas fait Raiden, hein. J'ai pas fait les nouveaux trucs. Bref, ah oui, mais avant de. Avant de tester la farm, il faut beaucoup de blocs sur toi. On va prendre un stack de bûches et encore, ça suffira clairement pas. Là, ouais, on en a pas assez.
Ouais, en vrai, si. On les pliera après. Ah ouais, non. Non, 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 on n'en aura pas assez. Après, ouais, du coup, faut en mettre partout là. Ouais, il m'en manque 11. Faire. Ouais, les bûches, il nous en faudra, hein. Hey, mais ça surprend! Faut vraiment que je le baisse ce son, hein. Il me surprend à chaque fois. Bienvenue Rachel! Oh là là! Vous m'étonnez là tout le temps. Cette annonce me surprend. Je vais baisser le son de mon ordi parce que. Non. Bref, bienvenue sur ce streaming. Bonsoir à toi. Ah, il faut amener un chat maintenant. Ah oui, non, avant, on va faire le système à eau. Ah! Bah nickel. Bah, en vrai, je me dis, mais le système à eau, je suis pas obligé de m'embêter du tout. En vrai, là, ce que j'ai fait, ça m'arrange totalement. Je vais vous montrer ce que je vais faire. Il me faudra des panneaux. Mais du coup, c'est débile, hein. Vraiment, ce que je vais faire, c'est débile, mais en vrai, au vu de la situation, ça va totalement m'arranger. Ça m'arrange totalement, en fait. Parce que là, on n'a pas 8 blocs. De toute façon, on s'en fout si on a 8 blocs ou pas. Moi, c'est bien, ça me fait du caillou. Ça fait de la stone. Donc voilà, je pense que on voit déjà où je veux en venir. Simplement que je ferai des courants d'eau là, qui vont là. Donc ça, j'en ai pas besoin. Du coup, je pense que je vais même retirer cela et que je ferai des courants d'eau directement qui vont là. Parce que ça m'arrange pas trop en vrai, ce pilier. À moins que.
Mais attends, genre, je peux utiliser deux sources d'eau pour le tout, là, vraiment? En vrai, si deux sources d'eau permettent de tout faire, moi ça me va. Hein. Comme ça, on s'embête pas en vrai. Je m'embête pas au niveau de la pose de sources d'eau, donc. En vrai, je pense qu'on va rester sur ça. Hein. Ah, j'ai des lags, est-ce que ma connexion est stable? Oui, pourtant ma connexion est stable. Bizarre. Ouais, parce que là c'est nickel. Donc attends, j'ai fait quoi? J'ai juste... Ouais, j'ai creusé un bloc et j'ai mis comme ça. Pourquoi il me fait ça là? Ah mais non, je suis con, faut que je le fasse à chaque coin. Ah oui, parce que voilà, en fait, le centre là, on est bon, mais non. Donc non, faut que je le fasse 4 fois. Oui, il faut que je le fasse aux quatre coins, du coup, c'est pour ça que je comprenais pas. Mais du coup, faut quand même que je fasse ça. C'est pas exactement la même chose, hein. Parce que là, c'est comme si j'avais ça. Attends, je vais le faire partout pour avoir la même chose quand même. Le dernier. Tiens, bah on verra à la fin combien de golems on a tué à peu près. Au passage. Ok, donc maintenant qu'on est bon. Ah non, il n'y a pas moyen d'être bien symétrique. Bon, finalement, est-ce si grave? Entre nous. Tant que les courants sont là, moi. Donc là, en gros, peu importe d'où tu viens, tu meurs! Tu vas dans. Voilà, genre, tu spawns là. Ah, un ch... Là, on va dire, ça, c'est un chat. Ah, un chat! Pauvre de moi! Après, poupi, 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 poupi. Bon, c'est très lent. Je pense qu'il y a... Je sais pas s'il y a moyen d'ajouter de la glace pour que ça aille plus vite. Je crois pas que ça marche. Bon, après là, ça va. Hyper long. C'est hyper long. Franchement, c'est tellement long que j'ai pas envie de... Mais comment ça se fait? Ah, en vrai, c'est pas grave que ce soit lent, mais c'est un peu perturbant. Et hey, du coup, ça fait partout, il y a qu'un seul Il y a un seul truc comme ça. Bon, bref. Non, mais maintenant, il faut amener le char.
le mettre dans un rail. Alors, combien on a farmé depuis tout à l'heure? C'est pas mal. Tiens, je vais poser tous mes blocs de stone. Tiens, même en attendant, je vais en faire cuire. Ah ouais, non, j'en ai quand même une bonne déjà. J'en ai quand même beaucoup. Alors. Donc du coup, toutes nos trappes d'or sont posées. Donc là, ouais, il manque plus que le chat. Vas-y, on va prendre un qu'on a en doubleau, donc lui. Allez, viens. Viens, le chat. Ah. Tépais-toi, monsieur le chat. J'ai peur qu'il se noie. Il est où? Il est où, monsieur le chat? Non, je veux pas encore perdre un chat parce que je sais pas où il est. Ah, mais il est au-dessus. Plus nickel, il est allé là où je veux. Allez, ici le chat. Là, dans le minecart. Non. Non, le chat. Dans le minecart. Non. Pourquoi il veut pas aller dedans? Ah, voilà. Ah oui, après je peux le mettre comme ça ou... Ah, je peux plus. Est-ce que j'ai lagué? Non. Attends, il le met comment dans l'usine? Ouais, il le met assis. Bon, en vrai, on s'en fout si le chat il est comme ça, c'est bon. Donc maintenant, dernière chose avant que l'usine soit vraiment en marche. Déjà, je vais... Ouais, déjà, on mettra ce qui manque après. Le verre, je l'ai bien sur moi. Mais il me faut plus. J'ai pas assez de verre, là. Il manque du verre. Bon, en vrai, c'est pas grave, on va poser. Bon, on va pas poser de la laine. On va poser de la laine. Ce qui nous manque, c'est les tapis. C'est pour ça qu'on la laine, nous la faut. Les tapis, par contre, je sais pas comment on doit les poser. Ah, j'en ai pas plus. Pas du fil. Bon, je doute qu'avec 9 ça suffise, mais bon. Alors. Comment il pose? Il en pose à deux blocs. C'est ici, c'est cette diagonale-là. Ouais. Ah. Bon, on pose ça en attendant. Donc il en pose une ici aussi.
Après les autres, j'imagine que c'est là. Parce que quand tu regardes celle-là... Ouais, à chaque fois en fait, j'ai l'impression que t'as une dalle qui est... Enfin, un tapis qui peut être séparé de plus un comme ça. Je sais pas s'il y en a de temps en temps sur la même ligne. Attends, c'est combien de blocs qu'il faut mettre? Ouais, de toute façon, il m'en manque. Il m'en manque clairement. Ouais, les dimensions, ça va pas en fait. Bon, au pire, ça fera fil au passage. Donc, on retire tout ça. Est-ce que c'est éclairé ici? Ça en casse. Putain, j'ai oublié un truc. Parce que là, j'ai juste fait une usine à mob en fait. Bon, tant pis, je veux voir si elle marche. Donc je vais noter avec un panneau, elle marche pas, faut faire hyper gaffe avec les mobs. Il manque les trappes d'or en fait. J'ai oublié de mettre les trappes d'or. J'espère le chat il se fera pas tuer. Hein. On va regarder si ça spawn un peu. Je crois que ça spawn pas. Parce que déjà, il y a quoi là-bas? Pourquoi il y a autant de mobs? C'est quoi, c'est une grotte ou c'est vraiment l'extérieur de la montagne? Si mon usine elle est là. Ah, ça a l'air de spawner un peu. Ah putain, j'avais pas vu. Est-ce que mon chat il est là? Non, ça spawn pas sur le chat.
Mais là, je vois qu'il y a des grottes, faut que je les éclaire. Attends, je vois rien, je sais pas où je suis. Ah ouais, grotte, grotte, pas trop quand même. Bon, ça n'empêche que ça peut spawner ici. Ici, c'est sûr. En fait, ouais, c'est juste de nuit, ça me spawnera mal. Et du coup, je crois qu'il y en avait une deuxième, mais je sais pas où. Il est où le chat? Mec, ça spawn pas du tout, genre. Je sais même pas si ça vaut le coup de faire un deuxième étage, hein, pour dire. Donc là, juste en dessous de moi, et après, bah, je continuerai. Et quelle heure? 13h30! Ouais! Ouais, bah vas-y, hein, on éclaire et... Coucou. J'aurais bien aimé quand même récolter la poudre. De le récupérer. Lui. Wow, il me drop que 3. Oula, il drop que 3. Il a gagné son duel. Voilà, on va vérifier du coup si on en a d'autres proches, mais après, ouais, c'est des grottes vraiment random à éclairer, donc on verra bien. Et ça spawn toujours pas, hein. Pourtant, il n'y a pas de lumière, hein. Normalement, il devrait pouvoir spawner. Peut-être faut être à une certaine distance. Je vois qu'en dessous il y a encore des mobs, mais est-ce que c'est une grotte? Attends, j'ai pas moyen de me suicider là. Je vais revenir à la base pour voir un truc. Là en dessous. Ah oui, mais c'est parce que j'ai la grande cave en dessous de moi. Oh putain, ah, ça va m'emmerder à éclairer ça. Mais faudra que je le fasse. Si je veux augmenter le taux de spawn de ça. Et là même là d'ailleurs, attends. Attends, en vrai, je vais faire ça. Je vais faire ça et je vais continuer la, on va dire la beauté de la base.
Mais attends, mais les squelettes, ils ont spawné où en fait? Je crois qu'ils étaient dans une grotte, mais je crois pas en fait. Ah bah si. C'est le genre de petit coin de merde que tu peux pas bah, éclairer naturellement, on va dire. Va le trouver quoi. Donc bah maintenant on va dire on a fini ce chapitre-là, hein, on verra si. On verra si elle marche, mais si elle marche, c'est bien. Du coup, on continuera bah, ce soir, si je joue ce soir. Hop. Bon, tiens, vu qu'on y est. Waouh, 11 émeraudes. T'as fait beaucoup, là, non? Bon. Du coup. Ce que je vais faire, c'est péter tout le plafond là. Ah merde. Du coup, sauf là où il y a des. Sauf là où il y a des lanternes. Et du coup, le projet, ce serait de mettre des dalles à la place. Je sais pas si j'en ai. Normalement, j'en ai. J'en ai pas beaucoup. De faire ici, voyons. Bon, je sais, mais là, je sais qu'il n'y en avait pas ici, mais bon. Oh oui. Oh oui. Mais oui, ça rend mieux là. C'est plus joli. Les blocs de fer ressortent plus. C'est clairement mieux comme ça. Bon, après, c'est juste les lanternes qu'il faut que je place. Faudra que je place bien, on va dire. Mais de façon plus organisée. Parce que pour l'instant, c'est pas ouf, quoi. Je sais pas, est-ce que ça change un. Est-ce qu'on le voit quand c'est un bloc ou une dalle? Ouais, la coupure est plus nette. Je préfère avec une dalle. Ouais, la coupure, elle est plus nette, je trouve. C'est un peu mieux. Donc pour l'instant, on va tout péter sauf là où il y a des lanternes. Et du coup, bah, c'est la dernière chose que je ferai pour ce stream. Voilà. Donc je pense que le titre de la VOD en vrai ça va être tentative d'usine à creeper parce que c'est vraiment une tentative. Mais ça m'étonne que ça spawn même pas un peu genre. Ça aurait été cool que ça spawn un minimum mais même pas. J'ai regardé hein. J'ai regardé hein. Ça se trouve ça a spawné hein mais juste les mobs ils tombent pas tu vois. Y a rien. Je regarde, il y a vraiment rien. Pourtant, normalement, je suis assez loin pour que ça spawn. Faut vraiment que je fasse plusieurs étages en fait.
Bon, on verra, hein. Ouais, le fer il ressort plus là, c'est bien. Merde, en plus, on a toujours plus de blocs là qui sont en train de se faire, c'est incroyable. Toujours plus de fer. J'étais en mode, mais mec, mais du coup, vu que mon usine marche, c'est bon, on aura plein de fer, mais. Bah, on en aura trop. Bah, toujours plus de fer alors. Go utiliser des blocs de fer. Attends, les blocs? Attends, j'en ai utilisé 32. Bref. Non, j'ai bugué en mode. Je croyais que j'avais. Enfin, c'est ce qui a dû se passer. J'ai cru que j'avais utilisé un stack, mais non. Eh, ça rend mieux, hein. Ça rend vraiment mieux, hein. En vrai, je me dis, je pourrais ajouter de la petite verdure, genre à des petits coins, d'ajouter des choses. Même ici, pourquoi pas ajouter un petit pilier, tu vois. Y a moyen de faire des choses, hein. Rendre ça un peu plus joli. Que je me dis même là, ah bah non, j'allais dire le bois ça le ressortira plus, pas ici, mais ici le bois ressortira plus. Les belles bubuches. Bah après, non, ce que je voulais faire ici en fait c'était entourer de blocs de fer. En fait, je viens de me rappeler. Que ici pour l'usine je l'avais fait en fait, même si c'est une bordure tu vois. Mais voilà, le problème c'est les blocs de bois là, genre c'est trop moche sinon. On va la foutre genre plus là du coup. Ouais, là, c'est vrai, pour des questions de symétrie, j'avais fait ça, mais du coup, on retire. Hein. Tant pis. Ah, mais c'est pas éclairé après. Bon, en vrai, ça se passe là. Hein. Juste, ouais, ici, ça manque un petit peu, je dirais. Ici aussi, ouais. Donc, on peut en foutre un là, tu vois. Pas que ce soit symétrique non plus, genre. Mais au pire, est-ce que c'est si grave? Je pourrais toujours les bouger hein, si ça me plaît pas.
C'est quand même ici, du coup, faut que je mette du fer. Attends, on va ranger la stone. Oh. J'ai pas beaucoup dormi cette nuit. En vrai, avec le feu, j'ai pas besoin d'éclairer ici. Même là, ici, hein, je suis pas obligé. Ah, quand même besoin. Quand même besoin un peu, genre, au moins là, tu vois. C'est ce qui me semblait avec la lave, ouais, j'ai pas besoin d'éclairer. Ok. Par contre, ouais, je suis carrément en manque. Hein. C'est bien, mes pioches, elles auront bien été utilisées au moins. Elles auraient été rentables à long terme. Parce que là, tu vois, pour que ça ressorte plus, je le mettrai là, genre. Oh là là, stonk! Ouais, même là, tu vois, c'est en plein milieu, c'est parfait. Le best, ce serait même là. Ouais, mais là, c'est pas centré par rapport à ça. Ouais, en vrai, c'est pas grave. C'est même mieux que ce soit là, en vrai, parce que la lave éclaire moins là et avec ça, bref. Donc là, je crois qu'on a tout pété, c'est bon. On passe à la pause. Après, rien ne m'empêche de mettre un bloc différent pour ça, tu vois. En vrai, je pense d'ajouter peut-être de l'herbe à des endroits. Enfin, des blocs de feuilles, ça peut être sympa. Ouais, c'est un peu ça de la gueule. Ah, mais il m'en restait plein en fait ici. Je viens de voir. Ça va, il m'en restait. Bon, au pire, j'en ai plus. Ça m'en fait plus. Bon, là, deux stacks, je suis large. Ah, oui, je suis plus que large. Je sais même pas ce que je dis, ce qu'il me reste. Ouais.
Là, j'aime pas coller. Attends donc. Ouais, c'est un peu sombre là, c'est le truc qui me gêne. Hein. Bon, allez, vas-y. Allez, vas-y, on en ajoute. Ouais, du coup, tout cela, on en a pas besoin. Hein. Ah, c'est sombre ici hein, quand même. Hein. Après, je peux faire comme là, genre rajouter des torches sur le côté. Hein. Comme ça, au moins, on est sûr. Non, ça va, ça va. Les torches s'incrustent bien comme ça. Comme ça, on spamme pas trop les. Eux, on les spamme pas trop. Parce que ça sert à rien qu'on ait 20 000. Genre, lui, il sert à rien, par exemple. Même, tu vois, il y en a beaucoup, ils sont pas forcément nécessaires. Hein. Là, à la limite, il y en a besoin d'un petit. Pour garder au sol. Hein. Par rapport au sol, mais. Là, ça va, je trouve. Que la musique s'est arrêtée. Non, c'est juste qu'on. Elle est tellement pas forte. Et bah voilà! On a fini. Bon, du coup, est-ce que ça fonctionne? Je ne crois pas. Bon, est-ce que ça se passe vraiment? Faudra la refaire. Hein. Faudra la retravailler, cette usine. Hein. Elle marche pas trop, hein, j'ai l'impression. Il y a littéralement aucun mob qui y spawn. Hein. Et pourtant, j'ai creusé. Hein. Enfin, j'ai. Pourtant, j'ai éclairé le reste. Ça m'étonne que ça ne spawn même pas, en fait. Pourtant, j'ai pas de torche, j'ai rien. Tant pis. Eh ben, on va s'arrêter là pour cette session. J'ai fait ce que je voulais faire, c'est-à-dire faire le plafond là. Donc, attends, on va voir un peu comment ça rend. Waouh, c'est merveilleux! Avec les blocs de fer partout sur les côtés, en dessous et tout. Bon, là, on peut pas en dessous parce que c'est pas surélevé, mais bon. Là, on en a mis parce qu'on peut en mettre. Là, on en a mis parce que voilà. Voilà, on en a partout. C'est juste maintenant, ouais, les derniers trucs qu'il faut que je touche à la limite, c'est les. C'est ça. Mais je sais pas trop ce que je pourrais faire. Ce que je pourrais faire, peut-être des espèces de piliers et tout. Mais le truc, c'est que vu que là, ça va encore changer. Il y a juste ça, c'est la fabrique à villageois. Peut-être je pourrais partir sur un. Un modèle un peu en bois, en maison, parce que, bah, concrètement, c'est une fabrique de villageois, donc il faut des. Il faut des trucs. D'ailleurs, je vais leur drop plein de patates, parce que. Il faut qu'ils se reproduisent un peu, hein, les villageois.
Oula. Ouais, là on est bon. Alors, tac, 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 tac. Alors, est-ce que je commence à être en manque de villageois à cause de Mister? Oh, c'est la pluie qui fait ça. Chiant. Bon. Ça aura bien produit hein, quand même. Hein. Hyprastonk. Quand tu vois le nombre de coquelicots, tu sais que j'ai eu beaucoup de fer. Je vais ranger un peu tout ça. Attends, parce que. Ouais, voilà, les échelles, faut que je les récupère. Hey, bonsoir Oxys! Bah, malheureusement, tu arrives à la fin du stream, comme très souvent. Parce que là, je vais m'arrêter, je vais aller manger. Et après, bah, je reprends les cours pour tout à l'heure. Putain, j'ai trop envie de jouer à MC. Bah, moi, j'avais envie d'y jouer, et hier soir, j'étais en mode, vas-y, j'ai trop envie de faire ça. Du coup, j'ai tenté de faire une ferme à Creeper, mais elle ne marche pas. Donc, c'est très, très décevant. Elle est où mon hache? J'ai envie de finir ma ferme à cactus là. Bah elle est déjà finie hein, elle a produit hein. Ouais elle marche pas énormément mais... Ah, elle est là. Elle marche pas énormément mais elle fonctionne. Bah si tu veux là... je vais te montrer. Parce que moi du coup ma ferme elle produit rien. Là j'ai mis les panneaux pour que je me souvienne. Attends. Ouais, je sais, mais je vais faire plusieurs étages et on aura plus. Ouais, parce que c'est juste, t'avais pas fini le premier, donc Mister, il l'a fini. Parce que du coup, voilà, pour la ferme à Creeper, j'ai mis des courants d'eau et j'ai fait qu'une plateforme, donc avec les fameux tapis pour empêcher que les araignées spawnent. Mais j'ai oublié de mettre les trappes au-dessus. Parce que genre, l'idée... Bon, là, on verra pas bien, mais en gros, là, on va dire, je suis un mob, je peux spawn parce qu'il y a deux blocs de hauteur. Mais si je mets une trappe au-dessus... Il n'y a que les creepers et les araignées qui pourront spawner. Et si on met des tapis en plus, il n'y a que les creepers qui spawnent. Et après, bah, t'as le chacha qui permet de leur faire peur. Mais le problème, c'est qu'il n'y a même pas de mobs qui spawnent. Donc, bah, c'est compliqué. Il y a combien de cactus dans le coffre? Là, dans le coffre, tout à l'heure, quand j'avais regardé, je crois qu'il y avait deux stacks ou trois stacks. Donc, voilà. Ah putain, il y en a encore un qui a spawn. Bon, attends, en vrai... Petite technique pour perdre l'aggro, tu découvres quoi. Trois stacks, donc tout à l'heure devait y en avoir deux. Donc en 1 heure et demie, on a eu un stack. Ça me paraît beaucoup quand même. Mais c'est possible. Donc oui, ça marche. Mais après, les cactus, ça pousse. Plus vite que... Enfin, ça pousse pas trop lentement, donc ça va. Bah écoute, tu verras quand tu te connecteras. Bon, moi, je m'arrête là. Bah merci aux gens qui sont passés sur ce stream. Bah probablement ce soir, hein, du coup. D'ailleurs, je sais pas si t'as vu, mais voilà. Mister, il a fait ce chemin, mais je te laisserai découvrir par toi-même. Bon, bref, merci d'avoir suivi à ce soir pour du streaming. Pense à checker lequel aussi. Ouais, ça a bien produit ça, donc je vais te laisser t'en occuper, hein, bien sûr. Voilà, à ce soir, et voilà. Merci à tous. En vrai, je vais rester AFK pour faire tourner ma ferme.